Mesdames et messieurs la famille, comment allez-vous? Je vous dis, c'est dimanche 30 janvier 2022. Ça fait un peu plaisir, un peu l'amour, comme d'habitude. Moi là, moi pral fait parler politique avec nous. Bon, bien évidemment, moi dis dimanche 30, c'est parce que je vive en Europe, en France, mais pour nous, qui vivons aux États-Unis d'Amérique, en Haïti. Et nous, toujours samedi 29, mais pas de problème du tout, c'est toujours même lundi. Donc, nous, après le fait de parler, c'est toujours sur unisono les amis. Dans la vidéo, ça, nous allons parler politique, puisque demain, si Dieu veut, M. Montanaro, après le fait élection. C'est gros débat qu'a fait là. On prend, il y a organisé débat entre premier ministre qui prend le participer, bon, entre moun qui voulait une premier ministre qui a participé dans l'élection, entre moun qui voulait président, etc., etc. Mais pendant d'ailleurs préparé pour élection, ça, à moins de 24 heures, gagnait Fanny Lavalas qui son patine à Montanaro, un acteur important qui décide bye bye. Donc, puis le monde qui estimait que Fanny Lavalas tapait Montanaro, mesdames et messieurs, l'elle décidait pour le retirer colle, soi-disant à quoi ça, à quelques heures de élection ça, que Neg Montanaro, même yo pral fait. Pral pour tes correspondances en Fanny Lavalas là, non? Et puis, n'a fait un petit commentaire. Après ça, nous pral parler de yon correspondance gouvernement haïtien. Et adressé à Luis Almagro, qui c'est secrétaire général OEA Les Amis. Gouvernement haïtien fâché, l'aime dit nous sa tension, marqué monté Ariel Henry, parce que tout simplement Claude Joseph, ancien ministre de justice, je crois que fait la même ça avec ancien commissaire gouvernement pour le président Bedford Claude, yon tal rencontré. Et le secrétaire général, là, Luis Almagro, et monsieur, t'es accepté en rentrer avec lui. En pile monde a posé cette question, mais pour qui raison n'est-ce obligé fâché dans le ça? Pour qui raison gouvernement obligé fâché comme ça? Parce que tout simplement, Luis Almagro lui rencontrer Claude Joseph, etc., etc. Donc, elle fait parler de ça, il y a un petit moment à l'exemple. Et puis, nous, bien évidemment, pral parler de l'autre bagaille. Quittez-moi seulement après quelques secondes pour me capable remercier nous avant, parce que nous toujours été fidèles avec Unisono. Unisono, nous toujours montrer que c'est à faire par nous que lié. Et m'a toujours demandé nous pour nous continuer à partager vidéo vidéos, partager sur WhatsApp, sur Facebook, pour que mon pour que l'autre monde, nos amis, nos frères, nos soeurs, nos cousins, cousines, nous, capables de découvrir la chaîne YouTube, ça, pour que vous même en retour, vous capables d'abonner. Et également, les amis, chaque fois que vous faites ça, nous aider la chaîne YouTube là, et même l'avance. On parlait de questions à comment on ça, puisque Fanny Lavalas a décidé de bye bye. On garde la correspondance ça sur l'écran que M. Lavalas a écrit. Monsieur Montanaro, Fanny Lavalas, au bureau de suivi de l'accord pour une solution haïtienne à la crise, accord Montanaro. Mesdames, messieurs, m'appelez pour nous et nous allons parler. Mesdames, messieurs, l'organisation politique Fanny Lavalas salue les membres du bureau de suivi de l'accord de Montanaro et saisit cette opportunité pour le rappeler. Les préoccupations soulevées par l'organisation dans sa lettre en date du 6 décembre 2021 restaient sans réponse. Préoccupations qui ont à nouveau fait l'objet d'une rencontre de mise au point avec le BSA le 23 janvier 2022. En mon créole, Fanny Lavalas a adressé avec M. Montanaro, Lidio, Lissalio, et Lissési, occasion ça, pour le rappeler yo préoccupation que le gagnait que le t'est soulevé OK dans une lettre que le t'est voyé ba yo jour qui était 6 décembre 2021. Yo t'est recevoir lettre là yo méprisé yo pas jambe ba yo réponse
préoccupation, selon sa formula, dit, qui t'est fait objet de yon rencontre où t'es essayé, mettez bagayo au point. Rencontre ça, t'es faite le 23 janvier 2022, ça veut dire semaine dernière. À cette rencontre, n'a continué lui. À cette rencontre, nous avons réitéré la position de Fami Lavalas pour une transition de rupture avec un gouvernement de salut public composé de personnalités intègres, compétentes et non partisanes venant de différents secteurs du pays et de la diaspora qui s'attellera à travailler pour le bien-être de la population. Nous avons aussi exprimé nos désaccords sur le choix de responsables de partis politiques pour diriger la transition et notamment organiser les élections auxquelles leurs propres structures politiques participeront, créant de fait une situation de conflit d'intérêts. L'objectif étant une transition dirigée de manière impartiale et non partisane. Premier ministre, continuez la balle en créole pour les gens qui plus comprennent le créole. Fami Lavalas continue pour lui dire que dans la rencontre, ça, il a réitéré la position que vous avez gagnée, position habituelle que vous avez gagnée pour une transition, que les transitions de rupture avec un gouvernement salé public qui a pas gagné pour le diriger par un conseil de monde intègre, un conseil de monde compétent, un conseil de monde qui pas dans camp, qui a sorti dans différents secteurs dans le pays et qui a sorti dans la diaspora. Et Mounsayo, il a gagné pour mission de travailler pour le bien-être des populations. Le fait qu'on ait dans la rencontre, ça a été exprimé également des accords que vous avez gagné sous choix que vous avez monde a fait, sous choix on sait de responsable politique pour diriger la transition, ça, et notamment organiser une élection côté propre parti politique yo même à participer. Et ça l'a créé en situation de conflit d'intérêts. Selon sa formule, voilà, ça, elle dit, il critique ça parce que l'objectif là, c'est créer une transition dirigée de manière impartiale, ça veut dire sans parti pris, etc. Donc c'est ça, formule, voilà, ça dit. Je continue pour dire, nous constatons que malgré tout le Conseil, nous constatons que malgré tout, le Conseil national de transition poursuit le calendrier des élections sans attendre de dégager un consensus plus large et plus solide de la société civile, devant s'engager dans la transition de rupture à laquelle Fami Lavalas a adhéré en signant l'accord du 30 août, même si cela impliquerait la révision de la procédure. Rien n'est plus important que garantir le respect de l'accord du 30 août pour la réussite de la transition de rupture. Fami Lavalas dit qu'on s'allie constater que malgré toute bagarre, le Conseil national transition, donc M. Montana, il dit qu'il va aller tête droite, il a appliqué, et ça que vous gagnez, feuille de route que vous gagnez. Donc, vous continuez à appliquer calendrier que vous mettez dehors qui a rapport avec élection sans même vous pas chercher dégager un consensus plus large et plus solide avec société civile là, mesdames et messieurs, qui devraient engager transition rupture ça à laquelle Fami Lavalas lui-même était adhéré lorsqu'il était décidé de signer l'accord 30 août 2021. Même si Fami Lavalas reconnaît démarche ça, t'as obligé que probablement il a révisé procédure que était déjà et mettez d'accord sur l'IA. Il fait qu'on est rien n'est plus important que garantie. Pas grand plus important que respecter sa accord 30 août 2021, lui-même il était dit pour réussite transition. Je continue pour dire dans ces conditions, Fami Lavalas, afin de rester cohérente avec sa ligne, en accord avec les désirata de la population, se voit obligé de faire le retrait de ses membres, Joël-Édouard Vorbe et
Jode Sondhi Rogène du Conseil national de transition dès réception de la présente. Le frère connaît, dans la condition ça, famille Lavalas, qui voulait être cohérent avec l'ingle gagné, en accord avec un grand problème population, eh bien, lui, obligé, retirer le col dans le dossier Montana, ça, le lui, retirer Mamblio et Edouard Vob avec Dirogène dans le Conseil national de transition. Est-ce que nous bien entendons? Et c'est ça qui est plus important. Donc, famille Lavalas, retire le col dans Bagay Montana quelques heures seulement avant que l'élection soit au fait. En espérant que nous arriverons à harmoniser nos différends dans la recherche de consensus comme nous l'avons fait jusqu'à présent dans l'intérêt du pays plongé dans une crise d'une gravité exceptionnelle, famille Lavalas vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir les salutations, hein, ces salutations patriotiques. Mon qui signait notre ça, c'est Maryse Narcisse, Edouard Vob, Jean-Mianto Julien, Anthony Bessousse, mesdames et messieurs. Donc, famille Lavalas, coupé fâché avec M. Montana, famille Lavalas dit qu'il va rejoindre dans sa cap fait là, et donc, il n'y a pas de dossier bagaille Montana encore. Automatiquement, la famille Lavalas prend décision ça, il y a un peu de monde qui dit, bon, nous n'avons pas qu'à attendre nous à mieux, dans la mesure où Lavalas, c'est mon sao, égoïste parce que mon sao pas gay. Jean-Baptiste Aristide, monsieur, dame Lavalas, on pensait depuis c'est pas au bagage, bon, etc. Donc, il y a un peu de monde qui dit, bon, Lavalas qui prend temps pour le gagner. Bon, ça, c'est des gens probablement qui appartiennent aux bagages sérieux de radote que Neg Montana a fait là. Moi-même, je ne m'attends rien de sérieux, non mais. Donc, Lavalas fait ça comme dans Bain Nouvelle, nous parlons de lui. Mais moi-même, bagage qui passe dans les affaires Montana, franchement, franchement, moi-même, ça, il n'est vraiment pas regardé parce que je me trouvais. Nèg sa yo rense avèk Fidiwol. Jodi a m ap gade debat k ap fèt, e Steven Benoit avèk konsey de lot ki toujou prezante tèt yo kom gro entelektuel nan peyi sa. Ap fèt debat, ou bran, paske yo pose kandidati yo pou yo vin premier ministre. Men pi gwo defanse a konstitisyon nan peyi da iti pa gen pase yo. Se yo pi gwo defanse. Manou ki kote yo jwene a dot sa, fè yap vote pou premier ministre ou va konen. On est qui côté, ils ont joint ça écrit pour que 44 nègres réunis en côté et puis ils ont choisi président, 5 présidents pour environ 11-12 millions d'habitants. On va connaître. Les gars ont entré tête dans le là sans loi, sans constitution, sans rien. Ils ont même dit qu'ils ont fourré le pays. Là. Et pour vous, le conseil de nègres qui n'ont pas de bravo. Et puis, toujours Abdou, c'est Yob, des Français constitution. Donc, la famille Lavalas, décidée pour le bail là, en vérité, moi, je me dis tête-moi, ça, lit vraiment, vraiment, vraiment pas étonné. Donc, est-ce que le fait que famille Lavalas retire le col là, la bagaille, ça, ça va gagner des répercussions sous bagaille que nous voulons faire. En vérité, moi, je ne pas connaître. Ok? Je ne pas connaître. Mais en tout cas, nous avons su pour nous dire que bagaille nous pour le passer demain. Nous avons rappelé, nous dit 7 février, il y a pris le pouvoir. Ok? Nous dit 7 février, Yap prend pouvoir, mesdames et messieurs. Comment il aura le pouvoir? Bah, connaît. Mais ça qui est important, c'est que Ariel Henry campé dandy. Ariel Henry campé du dandy, mesdames et messieurs. Il dit lui-même, il n'est pas fait au monde pote. 7 février à Gabelle. Hein? 7 février à Gabelle. Et 7 février, mesdames et messieurs, nous prenons que Mounsao. Il va commencer à changer de discours. 7 février. En tout cas, nous avons suivi
N'a pas su, mesdames et messieurs, demain qui est choisi comme président, n'a pas content pour tel et pour. Parlant de 7 février, il y a une série de nègres qui a fonctionné avec Jovenel Moïse, une série d'anciens ministres qui écrit, qui fait qu'on est que Ariel Henry supposé quitter le pays à 7 février 2022. Même pas qu'on est. Folie pouvoir, obsession pouvoir, fait nègre dans le pays d'Haïti, toujours à penser de position démagogique. Ou qu'il y a tout problème avec Ariel Henry, bah qu'on est. Ok, mais 7 février, où dit-il quitter le pays? Qu'on y a. Qui est-ce, ou pas qui est-ce qu'on va le remplacer? On va le remplacer par Ricard Pierre, par exemple. Mais quelle différence qu'il y a entre Ariel Henry avec Ricard Pierre, par exemple? Et c'est des questions que nous supposons poser, non, pas vrai? C'est des questions que nous supposons poser, non? Je dis alors, autant de nègres André Michelio qui t'a voué monter, a voué pied, parce que tout simplement, guélé, j'ai ôté pensé pouvoir Ariel Henry attaquer le sale, pas de ce qu'on s'en. Ça, on supposé faire réfléchir. Ça y est, supposé faire réfléchir. Tout ça, mesdames et messieurs, c'est des preuves, c'est des éléments qui montrent, en tout cas, que moun sa dans le pays d'Haïti, yo pas jamais ouais problème pays véritablement. Moun sa, les amis, yo pas gagné problème pays dans projet. Objectif, c'est joindre un petit emploi, joindre une possibilité pour que yo un chèque cap dans l'État. Si bien enquête qui fait pour évaluer si la qui était là, qui a chèque qui a sauté dans l'État, en vérité, n'a crié comme monde. Bref, dossier assassinat Jovenel Moïse, il y a quelques jours, il y a ancien ministre Claude Joseph, ancien ministre Justice, Rockefeller Vincent, avec ancien commissaire gouvernement, Port-au-Prince, qui était décidé, les amis, à discuter avec Luis Almagro, qui c'est secrétaire général au EA. Et qui a fait une rencontre, ils ont publié des documents qui remettent à Almagro, et puis le gouvernement réagit. On a rappelé, dans la rencontre, ça, mais ils ont à la vérité, Joseph a discuté avec Almagro, il a montré à Almagro dans qui niveau que Ariel Henry a fait obstacle avec enquête qu'a fait ce dossier assassinat Jovenel Moïse. Donc, paraître avec un document, il a fait Almagro qu'on est Ariel Henry participer dans le trouillé Jovenel Moïse, non le cité, etc. Et donc, pour raison ça, monsieur a fait un série de bagailles pour bloquer que procédure l'y fait chemin, les gens que le supposent. Donc, mais il a la vérité, il a rencontré avec Almagro, c'est pas. Ce n'est pas éloge que tu as fait pour le gouvernement haïtien. Non. Ça, il faut que nous admettions. Et puis bon, Néguio, un peu transparent également, puisqu'ils ont publié les documents qu'ils ont remis à Almagro. Et le gouvernement qui lit les documents ça, que Claude Joseph, avec l'autre Néguio, remet à Almagro, le gouvernement fâché. Et puis, il a réagi. En regardant la lettre ça, que le ministre des Affaires étrangères, voyait, secrétaire général OEA. Port-au-Prince, 27 janvier 2022. Monsieur le secrétaire général, le gouvernement haïtien vient d'apprendre avec stupéfaction que vous avez reçu aujourd'hui au siège de l'Organisation des États américains un groupe de personnes qui, sous le prétexte de faire avancer l'enquête en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous utilise à des fins de déstabilisation d'Haïti en vue de poursuivre des objectifs politiques et personnels. Bon, pour objectifs politiques personnels, là, bah, on est, il y a un objectif politique. Même pas, ouais, comment le fait que des anciens, bah, on est, des anciens ministres rencontrés en diplomate étranger, bah, ouais, comment Yap, il va le déstabiliser Haïti là. Il est capable de dire des bagailles, mais monsieur, si une bagaille nous peur, pour qui ça? Ou t'es qu'à faire une note de clarification pour démentir sa colline dans le document. Mon pas qu'à adresser lettre ça à Almagro pour passer l'autre dans le niveau ça. Comme si Almagro pas le droit de recevoir un citoyen haïtien pour discuter de un sujet qui est d'intérêt public. Moi, je ne comprends pas cela.
Je continue pour le dire, hein? Le ministère continue pour le dire. Notre surprise est d'autant plus grande, monsieur le secrétaire général, que l'organisation que vous avez le privilège de diriger est partie prenante avec le gouvernement à ce difficile processus d'instauration et de consolidation d'un climat de stabilité, de sécurité et de paix, afin de pouvoir organiser cette année même ces élections libres, honnêtes et démocratiques, devant doter au plus vite le pays d'un président et d'élus afin d'assurer le fonctionnement démocratique de ses institutions. Ce dont les Haïtiens ont le plus besoin actuellement, ce n'est plus de l'agitation, mais de référence d'un climat d'apaisement permettant d'initier le processus devant aboutir à une amélioration des conditions socio-économiques de la population à travers cette entreprise de reconstruction des régions dévastées par les ouragans et les derniers tremblements de terre que le gouvernement s'efforce d'initier avec divers partenaires de la communauté internationale. Ce que les Haïtiens attendent aujourd'hui de ceux qui se disent ses amis, c'est qu'ils se sentent véritablement concernés par ces souffrances et qu'ils se joignent à ceux qui s'efforcent d'apporter des solutions à ces problèmes immédiats et non s'unissent à ces détracteurs des pêcheurs en eau trouble dont la spécialité est d'alimenter en permanence dans le pays une situation de tension unique fois pour parvenir à leur fin. Bon, tout pas fini, restez là parce que vous ne pas comprendre. Ministre parti non dit là, on pas comprendre. On rend compte, peut-être on rend compte ou tomber dans trois, on fait toute gymnastique ça. Hein? Peut-être on rend compte ou on fait toute gymnastique ça. Bah, on prend le temps pour écrire, hein? Pour faire des mots écrits de longues correspondances comme ça. Vous voyez, bah, Jamaïque pour extrader John Jorel, vous voyez, bah, la Turquie pour extrader Sami Andal, etc. etc. Bref, nous ne sommes pas finis parce que là, nous ne pouvons pas comprendre. Et nous avons raison à conseiller le monde qui a dit que nous avons un problème chaque fois que nous réclamons justice pour le président Jovenel Moïse. Je ne comprends pas. Moi, je ne vraiment pas comprendre ça. Dans quel dossier ça? En tout cas, nous-mêmes, si nous comprenons, si d'après nous-mêmes, le gouvernement a raison fâché, n'a-t-il un commentaire, il m'a content. Avant, Michel Martelly font déclaration, Michel Martelly parlait, et les amis, tant pis le monde qui ouait dans le message Michel Martelly, yon message codé que le voyez par conseil de Moun qui impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse là qui nommait la justice, notamment la justice américaine. Le Martelly a parlé de en silence quand pile Moun qui dit c'est comme si Martelly mandé pour Negio pas parler, pas dit conseil de bagaille. Est-ce que nous comprenons bien là comme ça? Est-ce que nous comprenons comme ça les amis? Bonne réponse. Allez, je vous aime.